Allô? Le professeur? Non, pas encore. Oui? Ah? Oui? Bon, je vais lui dire dès qu'il aura fini. Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous la porte. Mais l'hétérogreffe, c'est-à-dire la transplantation sur un être humain de tissus vivants ou d'organes prélevés chez un autre, n'était possible jusqu'ici que lorsqu'on se trouvait en présence de deux individus présentant une parfaite identité biologique. Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers. Une de nos méthodes consiste à détruire, au moyen de fortes radiations de rayons X, les anticorps qui font obstacle à l'hétérogreffe. Seulement ces radiations doivent pour cela être portées à une intensité telle que l'être humain n'y survit pas. On pratique alors l'exsanguination. On vide de son sang jusqu'à la dernière goutte le sujet irradié. On vient de téléphoner pour vous, monsieur le professeur. L'Institut médico... la morgue, quoi. Il faut que vous y alliez tout de suite. Cher professeur, votre exposé à lui seul était déjà revivifiant. C'était passionnant, n'est-ce pas, Carl? Passionnant. Quel merveilleux avenir vous nous ouvrez. Pour ce qui est de l'avenir, madame, il faut quand même s'y prendre un peu plus tôt. Comme il a changé depuis la disparition de sa fille, il vous a de ses réflexions bizarres. Évidemment bien étrange, mais ça m'a tout l'air d'être ça. Quand la fille du professeur Genesi a disparu de la clinique, il paraît que sa figure n'était encore qu'une plaie. Évidemment, cette disparition du masque épidermique confirme votre supposition. L'accident de voiture, les brûlures profondes au visage, puis le séjour dans l'eau. Avec les rats, docteur. Il faut y penser aux rats. C'est vrai. Ah, il n'en reste pas moins que le signalement de cette jeune noyée est également le même que celui de Simone Tessot. À trois heures, j'ai convoqué M. Tessot, son père. De plus, tout n'est pas parfaitement clair. Moi, ce qui me semble curieux, c'est qu'on l'ait repêché complètement nu sous un manteau d'homme. On ne voit pas en effet pourquoi la fille du professeur, désespérée d'être défigurée par un accident de voiture et voulant se noyer, aurait éprouvé en plein hiver le besoin de se déshabiller avant de se jeter à l'eau. Puis cette énorme plaie à la place du visage, c'est singulier. Les bords en sont aussi nets que si l'on s'était servi d'un scalpel. Ah, le voilà. Inspecteur Parot du service des recherches dans l'intérêt des familles. Monsieur le professeur, je déplore infiniment les tristes circonstances qui nous font nous rencontrer. Expliquez-moi. Ce matin, dans la Seine de Marignan, on repêchait le corps d'une jeune fille. Et son séjour dans l'eau correspond à peu près au temps qui s'est écoulé depuis que Mademoiselle Génessier a disparu de la clinique. Le signalement concorde. Le visage est endommagé. Seuls les yeux sont intacts.
C'est bien elle.